Vous savez comment Dieu a créé l'homme? Quelle est l'interdiction qu'il lui a donnée? Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Dieu donna cet ordre, Ève n'était pas encore créée. Elle l'a pris certainement de son mari. C'est ce qu'elle dit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Mais la femme, quand elle sera séduite par le serpent, elle verra que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et il en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Genèse 3, 6. La faim est entrée dans le monde par les oreilles et non par le ventre et non par la bouche. L'homme, c'est ce que Dieu va dire à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est-à-dire tu m'as désobéi. La troisième raison est la plus fondamentale pour nous chrétiens. Il y a la faim dans le monde car nous avons désobéi à la voix de Dieu. Nous avons écouté d'autres voix. Adam a écouté la voix de sa femme. Dieu lui avait dit, tu manges de tout sauf de l'arbre du jardin. La femme aussi a entendu ce message. Son mari certainement le lui a répercuté. Mais la femme et l'homme mangent en dépit de l'interdiction de Dieu. Dieu leur avait défendu. Il leur a donné, bon, vous pouvez manger de tous les arbres. Quelle grâce! Mais sauf d'un seul arbre. Et l'homme va dire, non, non. Moi, pourquoi? Il faut tous les arbres. Pourquoi m'interdire un arbre? Je vais manger. Il a mangé, quand il a mangé cela, vous savez ce qui est arrivé. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Conséquence, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ce que la Bible nous montre au sujet de la famine, c'est que l'homme souffre de la famine, souffre de la faim, l'homme ne mange pas suffisamment parce qu'il a désobéi à Dieu. Deutéronome 28, 2 à 5, 8 nous le dit. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Isaïe 1, 19 à 20. Si vous avez de la bonne foi et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, dans ton pays, il y a des meilleures productions. Dieu dit, pour pouvoir en profiter, il faut obéir à Dieu. Il faut lui être docile. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Loin d'être, nous vont dire, alors Dieu est méchant. Hein? Donc, la famine ici dans le monde, c'est un châtiment de Dieu. Oui, on peut commencer comme ça. Mais considérons ça comme une correction fraternelle. C'est ce que nous dit Amos 4 et 6. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Donc Dieu fait ça pour nous sauver, pour que nous revenions à lui. Ça peut nous choquer, mais c'est comme ça. Les parents aussi utilisent ces moyens. Nous, au moins, qui avons grandi à l'époque où les parents punissaient encore les enfants. Mais nous sommes reconnaissants envers nos parents pour l'éducation qu'ils nous ont donnée. Considérons qu'ils étaient sévères, mais ça nous a fait du bien. Si nous sommes ce que nous sommes maintenant, c'est aussi le fruit de leur discipline. Incomprise à l'époque. Mais aujourd'hui, nous en cueillons les fruits. Ils sont déjà morts.
Mais nous, nous profitons de l'éducation. Moi, je n'oublierai jamais mon père. Il est déjà mort. Mais quand j'ai repris la deuxième année secondaire, j'ai amené mon bulletin auprès de mon père et il a commencé à pleurer. Ces larmes-là m'ont aidé. Je n'ai plus jamais échoué à l'école. Les larmes de mon père. Pourquoi il pleurait? Ce n'était pas ses études, c'était mes études à moi. Mais j'étais son premier garçon. Et lui, il avait bien vu qu'il fallait que moi je réussisse pour que les autres après moi puissent aussi suivre la voie. Mais il avait pleuré. Donc Dieu, comme il nous aime, il sait parfois utiliser les moyens forts pour nous retourner vers lui. Parce que comme vous le savez, vous tous, une vie sans échec nous éloigne souvent de Dieu. C'est malheureux de le dire, mais nous constatons cela. Quand vous n'allez que de réussite en réussite, c'est difficile que vous puissiez penser à Dieu. Mais quand un échec vous arrive, vous commencez à réfléchir. Pourquoi ça m'est arrivé ?